qui vont sortir sur les consoles next-gen avec les sous-titres français. Là, S'ils mais font ça ça, pourrait être s'ils bien. font ça, ah, je suis archi content. Ce Shenmue, si tu as rien, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié, mais. Bah surtout, c'est de l'anglais, quoi, sous-titré, Voilà, c'est c'est ça le chiant. délire. C'est... Et moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est un nouveau Yakuza en France. On dirait Bah, Paris, ça. Yakuza, il y en a des Yakuza, mais c'est que, c'est qu'il n'y a pas de sous-titres français. Ouais. C'est Oui, que des c'est sous-titres ça, tu vois. anglais. J'aimerais bien un nouveau Yakuza sous-titré français. Bah déjà, qu'ils nous fassent déjà les anciens Ah, mais sous-titrés, ce serait c'est déjà. moi. Mais ce que j'ai peur de la part de Sega, Pas pourquoi, parce que mais j'ai déjà peur. chez nous, c'est Sega, la chute d'Avril. Voilà, on est déjà l'épisode 19. Bah, je crois que ce soir, on va peut-être le finir. Ouais, Si tu possible. continues comme ça, on va peut-être le finir. Par contre, ici, fais gaffe, il va y avoir des Regarde, pièges ici. des traces toutes fraîches. Vous avez les trucs qui Ils sont peuvent te passés péter à la gueule, partout. ça fait, Oh, faut que mais tu c'est fasses des pas roulades. si. On ferait bien Mais sinon, un mieux. chez nous, un et deux, mais ces gars, ils sont tellement radins en pognon qu'ils veulent pas, parce que c'est eux qui financent les sous-titres. Oh, à la The Last Qui. of Us. Ouais, ça va te le faire un petit peu. Avec Record comme nouvelle licence prévue pour 2016, Crackdown 3. Ouais, mais Crackdown 3, c'est pas une nouvelle licence. À tes souhaits. Désolé. Pareil pour 2016, Skull and Bones pour C'est début fini. 2017, donc Les on hommes de aura un Nadine à tous coup les coups. sûr des annonces de Tu jeux fais pas pour pour fin utiliser de la 2017. dynamite. Tu l'as fini, Vraiment pas QQ? le malin pour un coup. Et encore, le mot est De faible. quoi Uncharted. Uncharted, oui, je l'ai fini. Oh là, attends. Tu l'avais fini, et puis en fait, si Même tu veux, si. j'ai demandé qu'il me le prête Ouais, ça pour en que je le est. fasse, mais t'inquiète pas Apparemment, que je certains l'ai des pas autres ont spoilé, hein, réussi à passer. je suis pas un mec qui On n'a que spoil. se fier à leurs traces. Mais je l'aiderai si jamais il. Ah oui, ici. C'est une énigme, elle est simple. Regarde dans ton papier. Regarde, t'as un squelette là. En fait, t'as quatre cases. T'as quatre cases Ah, je l'ai pas au au papier. milieu. Là, c'est. Tourne. Ah, tu l'as peut-être pas pris. Parce que normalement, t'as un. Non, prends le papier à droite. Vas-y. Non. Tourne-le. Tu vois, ah non, bah non, y'a rien. Ah, je l'ai pas pris. Oh putain. Parce que si tu veux, attends. Si tu veux, là, y a quatre machins. Ouais. Puis dans le papier, ça te marque lequel y a un piège et lequel il n'y en a pas. Et là, je peux pas te dire, je me rappelle plus c'est lesquels qu'il y a. J'ai juste à suivre les traces de pas. En ce Non, moment, il me semblerait bah. beaucoup Attends, mieux attends. si ça grinçait pas autant. Vas-y, suis les traces de pas. Surtout, ne marche pas là. Non, J'ai non, t'as marché. même Non, pas mais j'ai suivi, je te marché sens. sur l'autre à côté. Non, mais moi, je regardais avec le papier. Mais si les traces de pas, ça passe, c'est bon. Franchement, je me sentirais beaucoup mieux si ça grinçait pas autant. Surtout, ne marche pas là où il faut pas marcher. Oh bah! Les traces de pas, ça passe tranquille. Putain, je me suis fait chier à Tout ça regarder pour sur le bout de s'entêter pour papier. pas finir en morceaux à la fin, ouais. Je te jure, Et j'ai même on pas. est quand même. Ouf. Bah, tu vois, les bombes là, t'as Elena, vu? regarde, Ah, je il va y en viens. avoir partout. Les traces s'arrêtent Vraiment, il là. faut que t'esquives. Ça s'est sûrement Ah, il casse les Ça, couilles, c'est. Tu quoi. sais pourquoi? Moi, j'ai lu tous les papiers. Ouais. En fait, c'est des pièges d'Avril. Ouais, pour protéger Pourquoi? son trésor. Voilà. Il a fait tout pour pas que t'ailles dessus. Vous avez pas dit vos rêves du côté Xbox, comme j'ai dit. Un nouveau conquérant à Alan Wake 2, suis aux anges niveau rêve. Bah Alan Wake 2, pourquoi pas, Conquer je connais Encore pas, contre je mon peux pas te épaule, dire j'aurais pas si sorti mon on va épée. aimer ou quoi. Mais ouais, pourquoi pas, si t'aimes bien. Ah, Bah franchement. Conquer déjà, il faudrait que j'achète, c'est le rare replay. Le rare replay avec les petits jeux là, les petits mini-jeux avec. Trouver un autre chemin. Comme ça, Conquer, je pourrais voir si j'aime bien ou quoi. Moi, Après. ce qui me vendrait du rêve sur Xbox, c'est que il fasse Resident Evil 7 Bah déjà, vraiment retour aux sources, un vrai retour aux déjà sources. ils l'ont annoncé, mais c'est des menteurs. Hein, on sait que c'est des menteurs. Oui, ils vont l'annoncer, mais je sais pas s'ils vont l'annoncer à l'E3. Mais je pense que peut-être ils vont l'annoncer à l'E3. Allez, putain. Bah t'as pas vu le gameplay du je sais pas quoi, le Umbrella Ops. Umbrella Ops, un jeu multijoueur. T'auras des infectés qui vont te casser les couilles en fait. Qu'il est vide. Qui vont te casser les couilles et en même Je temps l'ai tu pas dois compris quand tuer. on était sur le bateau. Tu dois Merde, tuer carrément tes j'ai ennemis en oublié fait. mes lunettes. T'as les infectés qui vont te casser les couilles, toi et tes ennemis. En fait, vous allez tuer. Ça fait un peu des Z en Je vais fait. l'attraper. Quand t'as les zombies, puis en même temps, bah, tu peux avoir des mecs qui tirent dessus. Replay, c'est une pure merveille. Bah, si tu veux, je l'ai pas acheté pour l'instant. Je vais attendre qu'il coûte moins cher. Ah, Ouais, tu désolé. sais, s'il me vendrait du rêve, c'est Deux comme secondes. je vous dis, qu'il fasse vraiment Resident Evil 7 retour aux sources. Bonjour. Et ce qui me Vraiment. vendrait du rêve, c'est qu'il soit exclu Xbox One. Ah ouais.
Ah, ce serait. Un vrai retour aux sources digne de ce nom exclu à la Xbox One. Là, ça me vendrait du rêve. Ah, vraiment retour aux sources comme dans les premiers, toi. Ouais. Ce serait un truc de ouf, quoi. Surtout, caméra fixe et tout, hein. Mais avec les graphismes archi Oui, beaux. avec des beaux Ouais, mais graphismes en de caméra maintenant. fixe, ça aurait. Oh, ça aurait tué, quoi. Non, on passe mon temps là. Ouais, merde, t'as raison, c'est de là que j'arrive. Oui, je sais. Ouh. Allez. Ah, faut que j'aille là-haut. Une exclue Xbox et non temporaire. Ouais, bah Ouais, oui, c'est voilà, ça. une Parce exclu que Xbox je trouve. perma. Parce que je trouve que Xbox, ils ont fait le con pour l'exclu temporaire de Tomb Raider. Ouais. Ça, je trouve, c'est une connerie de mettre des thunes dans le vide. C'est ça le pire, c'est ils ont lâché hein, une belle liasse de bifton et pour une exclu qui a duré quoi, à tout péter 6 mois, 1 an quoi. Attends, t'es pas dessus là. Il faut que tu cliques. Ouais, mais je sais, mais j'ai cliqué, mais l'autre s'est barré. Attends, voilà, non, t'as pas bien cliqué. T'as vu, regarde, là, ça fait le truc. Allez. Parce que t'avais pas bien cliqué sur le petit QTE qu'il doit faire. Ok, on y est. Mais sinon, j'aurais bien aimé sur C'est bon. Xbox une exclue, mais définitive. Enfin, je voudrais une exclue, mais une grosse exclue J'y vais. d'un jeu EA, Merci. Fact Night. Ah oui, aussi un Fight Night en exclu, ça Un pourrait Fight vraiment Night être Round pas mal. 5, Fight Night Round 5, exclusivité Xbox à vie. Ce serait le rêve. C'est vrai que Ce pire, ça serait, serait un franchement, sacré bonheur. ce serait déjà une grosse claque dans la gueule de Sony. Et surtout, moi qui est amateur des jeux de boxe, j'adore les Fight Night, mais d'un truc de dingue. Pour moi, c'est les jeux de boxe sur Xbox, c'est un truc de dingue. C'est archi bien. Harry fait même plus semblant d'être sain d'esprit. J'aime pas du tout cet endroit. Moi non plus. On fiche le camp. Franchement, tu vois, là, pour cette année, le 3, j'attendais qu'il m'annonce du lourd chez, tu vois, style Square Enix ou quoi. Mais Square Enix, déjà, le problème, c'est qu'ils ont déjà annoncé les jeux que j'attendais. Après Square Enix, ils peuvent faire encore. Ouais, mais bon, dis-toi, ils l'ont annoncé, mais ils vont encore l'annoncer vu qu'il n'est pas sorti. Oui, il sort en C'est mois de ça, septembre. c'est des malins Square Enix, ils vont encore nous faire sortir encore des trailers, des trucs qu'on connaît déjà sur le jeu, quoi. Mais tu vois, tout ce que j'espère, c'est que Square Enix ils vont pas nous mettre la biscotte et nous sortir. Ouais, bah écoutez, Final Fantasy XV il a repoussé à 2018. Après, il peut être repoussé. C'est ça, ouais, c'est ça qui peut faire peur. Moi, un retour de Street Refresh, pareil, exclu Xbox. Ah ouais, ça peut être pas mal, ouais. Bah franchement, si tu regardes. Là, rond! Voilà, t'auras ça tout le temps en fait. Des trucs comme ça. Puis il faut que t'esquives. Nous, tu vois, qu'aimons bien, qu'aimons les jeux vidéo, il y a plusieurs exclus, enfin plusieurs jeux que je voudrais exclus sur Xbox, mais malheureusement, comme on dit, on peut pas tout avoir sur Xbox. Oh, sa mère, ça m'a pété au cul. Ça Tu vois, va. c'est malheureux à dire, mais Quand tu vois des je squelettes, en lève fait, c'est pour des mots. m'approcher. Ouais. Ouais, ça pète sévère. Oui, il était pas con à vrai quand même. Ouais. Donc, ouais, comme je disais, c'est malheureux à dire, mais on peut pas tout avoir sur Xbox, tu vois. Et c'est Ouais, ça qui est con. étonnant qu'il y ait autant d'éboulements dans Parce qu'il le y a coin. beaucoup de jeux que j'aurais voulu qu'ils soient exclus à Ah, bah l'Xbox. merci. Bah surtout Ça que c'est chez bien. nous ça aurait pu être une exclu Xbox parce que vu que Dreamcast, je sais pas mais t'as eu Dreamcast, les deux premiers chez nous ils étaient sortis, mais après le 2 il était sorti que sur Xbox 1, toi, la toute première Xbox. Et je me suis dit pourquoi Xbox n'avait pas repris la licence. J'en suis sûr ils ont cartonné, surtout les pro Sony ils se diront ah les enculés quoi, ils ont chez nous et tout, bah ils seront obligés d'acheter une Xbox, toi. Ça a été Franchement, marrant. Et pour. Là ce que Guy dit est pour Encore les une exclus, nuit. pourquoi que sur Xbox et pas sur une nouvelle console? Tu vois, Merde. c'est vrai, tu vois, je verrais bien Bordel. aussi des exclus sur la NX, mais comme la NX elle est toujours en Tout va bien? développement, Vas-y. vraiment qu'ils nous annoncent des Oui, exclus mais. archi lourdes. Tu vois, moi Comment qui a je peux passer kiffé. par là? Moi par exemple, j'ai kiffé Last Story Xenoblade Chronicles sur Wii. Moi, tu vois, je voudrais bien qu'ils me vendent du rêve en me disant, eh ben, il va y avoir un Last Story 2 et un Xenoblade Chronicles 2. Après moi, en fait, ce que j'ai entendu, la rumeur, je sais pas si Il Guigui, va tu l'avais falloir entendu, ces trucs de mort-là, juste sur la, parce qu'il paraît, sur la bon sang, NX, il y ça aurait vous fait marrer, on peut-être, dirait. enfin, sur la NX, il y aura la rumeur d'une exclue, c'est de Beyond Good Evil 2. Ah, Beyond Good Evil 2, ça pourrait être pas mal, ça. À ce qui paraît, ça pourrait être une exclue C'est pas de la NX.
Oh putain, ça va péter, casse-toi Nate. Ça doit pas être très sain à respirer. Alors respire beaucoup. Mais bon, ça pète à mort. Oui, ça va. Ah, grave, ça pète dans tous les coins. Juste de pas avoir pris des bouchons d'oreilles. Ah, c'est ça, c'est une exclue. Si tu veux les exclus, après, il faut payer, hein, parce que t'as vu les. C'est pas, ça coûte quand même de l'argent à Microsoft de mettre des exclus pas si par là. Si l'argent est du côté de Microsoft, on attend juste une chose. Bon, lancez tout à fond, faites-vous avaler des centaines de jeux exclus bordés. Vous avez l'argent, mais pas la motivation. En fait, c'est ça le pire. En fait, le problème, c'est que Xbox ont peur de perdre de l'argent. Ça fait, si tu veux, ils essaient de prendre du risque. Mais le problème, c'est ils ont pris des risques déjà. Ils ont pris des risques déjà avec la Xbox déjà, avec la caméra et tout. Ils ont pris des risques. Ils ont perdu des thunes. Et je pense qu'à mon avis, en fait, ils ont pas envie de refaire la même erreur. Ça fait maintenant, à cause de ça, ils sont un peu farmés. Ils ont peur de refaire la même connerie. C'est pour ça que moi je trouve qu'ils devraient prendre, au lieu de faire payer les pauvres personnes pour chez nous trois, Xbox devrait acheter la licence, l'éditeur et tout, sinon c'est l'éditeur, puis comme ça une exclue de chez nous 1, 2 HD et le troisième sur Xbox. Tu vois, ouais. Une exclue vraiment, une exclue, qui sort pas sur PC, qui sort que sur Xbox. Ouais. Ah ouais, et que ce soit vraiment exclu Xbox, pas exclu temporaire. Ah, comme, ouais. Comme ils ont l'habitude de nous faire en ce moment. Peut-être la Xbox One de 2013 n'a plus rien à voir avec ces. Ouais, mais non, le problème, c'est que ce que t'as pas pigé, Guigui, c'est les gens comme moi, comme toi, qui a dû acheter le pack à 500€, il s'est fait prendre à revers, en fait. Il s'est fait avoir. Pour moi, je me suis fait avoir en prenant le pack avec la caméra. La caméra sert à quoi maintenant? Maintenant que le développeur de la caméra s'est tiré, qu'est-ce qu'elle sert au final? Elle sert plus à rien. À part dire Xbox, j'ai envie de faire caca, à part dire ça, ça sert à quoi? Elle sert plus à rien les Xbox. La caméra de la Xbox, elle ne sert plus à rien. Pour moi, la Xbox de 2013, elle restera la Xbox de 2013, je suis désolé. Ça m'a traumatisé avec tous les annonces qui nous ont été faites avec la caméra. Ça, pour moi, ça s'infecte grave. En plus, ça s'infecte, il faudra une nouvelle Xbox. Et qui refasse la même caméra. Je trouve que déjà, la caméra, elle a jamais sorti. Ah, pour moi, le Kinect, ils ont été cons, parce qu'ils ont déjà fait l'erreur avec la 360. Et ils ont refait la même erreur avec la One. Bah, si tu veux, la caméra, ils n'auront pas fait d'erreur si elle n'était pas obligatoire. Style, si les gens, ils auront voulu l'acheter pour faire du yoga. Voilà, les gens ils la jettent. Mais pas imposer les gens qui n'en veulent pas. Oui, c'est ça, de base. De base, le premier Kinect, il n'était pas imposable avec la 360. T'as bien vu. Ouais. La 360 est sortie largement après. Enfin, elle est sortie largement avant. Elle est sortie en 2006. Attends, à date, hein, le Kinect est sorti vers la fin. Vers la fin de vie de la Xbox 360. Pourquoi ils la vendent à part, c'était bien. Au moins, tu dis, oh, si tu voudras une Kinect, tu te la jettes. Là, si un jour t'en voudrais une, au moins tu l'as. Mais si t'en veux pas, bah, au moins t'auras pas besoin de la chine. Après, Microsoft, on va dire que Guigui, il a la mémoire courte. C'est qu'en fait, pour plus que les gens pensent à 2013, ils ont sorti des packs. Ils ont sorti des packs Xbox sans la caméra. Ouais. C'est pour ça. Que les gens, ils ont la mémoire courte, ils se rappellent plus, tu vois, c'est comme la politique. Ils se rappellent plus qu'à 5 ans, il y avait lui au pouvoir, il a rien fait, et maintenant les gens ils sont prêts à voter pour lui 5 ans plus tard. Bon, c'est l'ancien PDG qui l'a décidé pour la Kinect. Ce gros connard, il devient quoi maintenant? Il est mort. Je crois qu'il est devenu je pense qu'il travaille quand même chez Microsoft, mais que sur les développements des logiciels, je pense. Un truc comme ça. Je pense qu'il va pas se barrer comme ça. Attends, hein. T'as oublié une autre question. Quel jeu exclu sera capable de faire vendre des millions de consoles One? Bonne question. Quel jeu exclu serait capable de faire vendre des millions de consoles One? Bonne question.
Vendre Mario. Mario exclusivité Xbox. Ouais, c'est un peu le creux de bâtard, mais tu imagines pas le truc. Ou un Zelda, ou un Pokémon. Non, hey, perso, hey. Moi, une exclue qui ferait vendre des millions d'Xbox, ce serait un jeu vraiment, vraiment... Là, déjà, une nouvelle IP, ce serait pas mal. Déjà, vraiment, voilà, une nouvelle licence que seul Xbox aurait le droit d'avoir. Mais une nouvelle licence open world. Ouais. Je sais pas, un petit sauce à la Zelda ou un truc comme ça. Si t'as vu, tu joues un personnage, mais on va dire, il faut pas qu'il meure. Mais un jeu, on va dire, qui a fait rêver les gens qui ont joué à des jeux comme Zelda, si tu veux, des jeux qui vont durer au moins une cinquantaine d'heures. Ah putain, il fait chier lui avec son machin. Hein. Comme The Witcher 3, imagine une exclusivité Xbox à l'époque, ça a chier. Parce que Witcher 3, c'était une bombe. Hein. C'était une bombe, c'était un truc de dingue. Mais sinon, c'est une très très bonne question, et même moi, je sais pas comment te répondre à la meilleure exclu qui pourrait faire vendre des millions d'Xbox. Franchement... C'est vraiment très difficile cette question, parce que on peut dire, ouais, on revient aux anciennes générations, on revient aux anciens jeux, on peut dire, ah, c'était une exclu, un Fight Night, de sport, ou je sais pas, moi... pourquoi pas, un nouveau jeu de foot de 2K. Tuki qui peut. Il développe un jeu de catch chez les gens. C'est ça. Pourquoi il développerait pas. Ce serait bien qu'il développe ça, ce serait pas mal. Pour une fois, je remercie Avril pour ses momies explosives. Mais sinon, c'est vrai que c'est dur. Record serait inspiré de Zelda. Après, Record, quand j'avais vu à l'E3 dernier. Pour l'instant, j'ai pas la certitude. Enfin, après Zelda, je connais pas vraiment la licence. Hein. J'ai déjà joué vite fait, mais je sais pas trop si c'est vraiment inspiré de Zelda. Franchement, tu vois, comme on disait, une exclu qui ferait vendre des milliers de one. Faudrait que ce soit déjà une nouvelle licence pour Microsoft. Et faudrait que ce soit une licence qui attire directement le joueur, tu vois. Bah surtout une licence qui attire les pro Sony et les pro Xbox à la fois. Oui, mais et les pro Nintendo. Il faudrait pas. Un truc tout en un. Oui, mais il faudrait pas que ce soit une licence, tu vois, qui nous ferait vendre du rêve. Mais qui en fait, derrière, c'était de la dope, quoi. Il faut vraiment que ce soit une exclu qui promette d'envoyer et qui donne tout ce qu'elle a déjà sur son premier opus. Naughty Dog sur un jeu exclu One, à savoir que le studio n'appartient pas à Sony, ils sont libres comme Remedy. Ouais, mais je trouve que Naughty Dog sont pro Sony. Naughty Dog, oui, ils sont pro Sony parce qu'ils travaillent beaucoup pour Sony. Même s'ils appartiennent pas à Sony, ils sont pro Sony à mort. Moi, je pense que là-dessus, Guigui, tu pourras pas les dissuader d'aller chez Xbox. Bon, moi, je pense déjà que leur cul a bien été déjà vaseliné par Sony. Naughty Dog, c'est bon, ils ont bien aimé se faire prendre. C'est trop tard, voilà. Et, on va dire, Sony, il a la plus grosse bite. On va dire, ça, c'est une façon de parler, c'est pas méchant. Ouais, non, je sais. On va dire, c'est une façon de dire qu'au final, non, lui il me fait plus du bien que l'autre. Voilà, c'est la même enseigne. C'est pour ça que Pour moi, peut-être que Sony déjà il les a achetés, Naughty Dog, on sait pas. Au final, ils appartiennent ou ils appartiennent pas. Peut-être qu'au final, Sony a des droits de Naughty Dog. Si tu regardes bien, les jeux de Naughty, ils sont tous sortis sur Sony. Arsenal Games est allé du côté vers de la Force. Oui, c'est vrai, mais tu regardes bien. Insomnia Games, peut-être qu'il se... Il y a peut-être une raison pourquoi il s'est mis plus vers chez Xbox que eux avant ils étaient pro Sony. C'est vrai que c'est une bonne question, oui. Que ouais, Insomnia Games, pourquoi pas, ouais, Naughty Dog. Mais Naughty Dog, pour l'instant, regarde bien, Naughty Dog, depuis le temps qu'ils ont développé chez Sony, il lâche pas le morceau pour Sony. Il lâche pas le morceau. Tiens. C'est con ce que je veux dire, mais une exclue qui ferait vraiment... Ah ouais, c'était ça en fait. Il y a des sortes de symboles derrière. Allez, faut trouver la serrure.
Une exclue qui ferait vendre des millions de yuan, c'est s'ils font un call à la Xbox One. Ah, ça pourrait le faire aussi. Ouais, ça va péter. Oh, j'ai fait crever. Tout va bien. Putain, ça pète de partout ces conneries. Ouais, faut que tu prennes le bon endroit. Mais sinon, après, pourquoi pas des studios indépendants? De quoi ça a coupé? Non, ça a pas coupé? Non, je crois pas. Ah, peut-être que Guigui a pas entendu ce qu'on disait. Ah, ouais, bah, c'est pas grave. Ouais, je vais pas répéter, j'ai la flemme. Tu vois, pour moi j'avais dit une exclue qui ferait vendre des milliers de one, ce serait soit un nouveau Call of ou un Battlefield mais exclu à la one. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais. Je peux te dire que si tu fais un Call of ou un BF exclu à la one, bah, va y avoir plein de gens qui vont sauter sur la one pour juste pour pouvoir jouer à Battlefield. Bah, surtout d'un côté t'as les pros, t'as les pros BF et les pros des deux côtés en fait. Moi perso j'aime pas trop les Call of, je préfère les Battlefield. Parce que Battlefield, tu vois bien, quand tu tires, déjà quand tu tues un mec, tu te fais tuer derrière. Toi, c'est plus difficile. Que je trouve que, ouais, c'est vrai, Call of Duty, quand tu tires sur un mec, c'est direct, toi. Tu le tues, puis tu peux enchaîner. Que sur Xbox, enfin, sur Battlefield, t'enchaînes pas comme ça Tu tues pas en enchaînement comme ça. Après, il faut expérimenter. Tu vois, même Battlefield, là, avant, j'avais Battlefield 4, et je l'ai plus. Puis le truc qui m'a énervé, c'est la communauté qui coûte, tu vois. Je vais faire le... Ah oui, il faut que tu fasses... Ah oui, par contre, là, c'est obligatoire. Là, je vais faire le pro BF, mais j'en ai rien à carrer. Les qui coûtent Call of sont venus nous casser les burnes sur Battlefield. Et ça m'énerve. Ouais, c'est les gens qui changent. Ouais, voilà, en fait, si tu veux, faut que tu calcules à l'endroit. Le squelette, c'est les trois premières cases. Ouais, mais faut bien que tu vois si la croix elle est à l'endroit. Voilà. Non, elle est à l'envers. C'est pas con ce que tu dis, Guigui. Ah, j'ai mon idée. Le Silent Hill annulé par Sony, il pourrait apparaître et être annoncé exclu. One. Mais ça m'étonnerait. Moi je trouve ça m'étonnerait parce que. Déjà, bah, je crois que Kojima, bah, c'est moi, il a eu son nouveau studio. Bah, lui, il suce toujours PlayStation. Faut que tu feuilles tout le temps. Après, Konami, ils veulent plus de jeux AA. J'avais entendu dire que, à part PES, ils veulent faire que des développements sur Android, que des jeux portables, quoi. Après, parce que déjà avec Metal Gear 5, ils ont viré Kojima et ils ont même pas fini le jeu. Le lancement de Battlefield 4 niveau serveur, c'était mort. Ouais, c'est vrai que au début, oui, Battlefield 4, c'était un truc de dingue. Normalement, cette case là, elle est bonne. Démarrer à l'envers, tu dis, tu retournes. Cette case là, elle est bonne. C'est là-bas. Okay. Cette case là, elle est bonne. Non, celle-là est pas bonne, je l'ai dit. Je savais qu'elle était bonne. Là. Tu vas finir par le faire au pif. Bah, c'est ce que j'ai fait, enfin, c'est parce que je me rappelle les cases. Ici ça passe. C'est tout au bout. Là tu peux, l'autre non. Celle-là je peux pas, celle-là. Tout droit tu peux pas, faut que tu regardes sur ton truc. La croix à l'envers. Vas-y, non, elle est à l'endroit. Feuille-toi ton truc. Ah non, c'est mort, tu peux pas. Tu peux pas passer à gauche. Ah non. Tu passes à droite. Attends, regarde là le ce que. Oui, là je peux passer là. Mais là je peux pas passer là, ça va péter. Non, oui, mais tu peux aller sur la pierre quand même. Oui, celle-là, je peux. Va à la pierre, va à la pierre. Je peux aller là. Bien joué. Microsoft rachète la licence, tout simplement, le nouveau Silent Hill plus les anciens rétro. Boum, ça va faire mal dans le cul. Bah ouais, ça serait pas mal que
Celle anti, le, ouais, qui refasse Ah. déjà des rétrocompatibilités ou des remasterisations des, bah, de tous les Silent Hill qui sont sortis, qui mettent sur la voie, ouais, pourquoi pas. Mais franchement, il y Mais bon, ça a... reste des licences qui sont déjà sorties, ça fait que ça va pas changer grand-chose. Hein. Tu sais, bah en fait, c'est con. Moi, il y a beaucoup de licences que j'avais aimées sur les consoles d'avant, que je voudrais bien revoir sur les consoles actuelles. Mais tu vois, ce serait pas vraiment des nouvelles C'est licences, ce ouvert. serait plus des remasterisations. Une clé. Et Attends, moi, c'est franchement, peut-être un là, ce piège. que j'attends avec un Ah, A, c'est pas comme si on avait d'autres je options. sais l'exclu qui Si pourra on faire perd. vendre des millions Mais d'Xbox One. On j'ai a pas été beaucoup cons de senti pas le y penser besoin. avant tous les trois. C'est lequel Tu jeu? veux? La remasterisation de Resident Vas-y. Evil 2. Exclu Ah Xbox One. oui! Ah oui, je suis S'ils complètement font passé. exclu Xbox One, c'est mort. Des Xbox One, il va s'en vendre à la pelle. Ah oui, j'avais complètement zappé J'avais ça. zappé celle-là aussi, moi. Ouais, celle-là, j'ai complètement oublié. Ah oui, ça pourrait faire vendre des millions Là, d'Xbox. Sony, là, je peux te dire, ils se prendront la douille, mais sévère. Surtout, ouais, s'ils financent et tout, laisse tomber. Bah au Une moins, je peux pas exploser en exclusivité. morceaux. T'aurais pas un Ah, couteau putain. sur toi par hasard? Enfin, Non. tu dois bouger, je crois. Hé, le type qui est là a une épée. Allez, T'es là-haut. aide-moi à faire balancer Puis ce ça truc. pète en même temps, faut que tu fasses vite. Que l'analogue. Et pique tes ballons. Ah, c'est fait exprès, hein, c'est. Alors, ça pourrait le faire, oui, avec le nouveau Resident Evil qui va avec. Allez, cours, cours, Ah, cours. ouais. Ah, mais bon, il faut qu'il fasse le. Là, ça fait comme Crash, là, quand tu le crois. J'ai l'air pas du monde. Allez, cours, Je vais tuer cuir-toi. cette partout, cette moto. Ouais, je suis un vrai simple. Oh, la gueule par terre. Ça pourrait le faire, oui, avec le mort intentionnel qui va avec. Bah, si.